Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment télécharger des petites icônes qui pourront venir agrémenter vos montages photos. Pour cela, ouvrez votre navigateur internet. Mon navigateur est ouvert. Dans la barre de recherche, je vais pouvoir rechercher Flaticon, donc F-L-A-T-I-C-O-N. Et j'appuie sur la touche Entrée du clavier. Le résultat de la recherche est apparu. Donc vous avez ici d'indiquer Flaticon et vous voyez que l'adresse au-dessus est flaticon.com. Donc c'est sur ce lien qu'il faut cliquer. Le site s'est chargé. Alors comme vous le remarquez, le site est en anglais. Il va donc falloir que vous recherchiez les mots en anglais. Si vous avez un souci parce que vous ne parlez pas anglais, il vous suffit d'utiliser Google, de lui indiquer le mot et de lui demander sa traduction. Vous avez dans la barre qui est là, je vais cliquer dedans et moi je vais rechercher un chien. Chien en anglais se dit dog, donc je vais indiquer dog. Et j'appuie sur la touche entrée du clavier. Vos images se sont chargées. Alors moi, je veux télécharger ce chien qui est là. Je vais cliquer dessus. L'image du chien est chargée et vous remarquez que en dessous, vous avez trois possibilités. Donc soit le chien en couleur avec son contour noir, soit le chien qu'avec la couleur, soit uniquement que le contour du chien. Moi, je veux télécharger le chien en couleur et avec son contour. Il s'affiche et vous avez sur la droite PNG et 512px, ce qui correspond à sa taille. Si je prends la pointe de flèche, vous avez les différentes tailles qui vous sont proposées et on remarque que 512px est la taille la plus grande. C'est celle que je vous conseille de prendre pour avoir une meilleure qualité sur votre image. Ensuite, il vous suffit de cliquer sur PNG. Cette fenêtre apparaît et vous pouvez cliquer sur Free Download pour lancer le téléchargement. Votre image est maintenant téléchargée. Si vous souhaitez télécharger une autre image, il vous suffit de cliquer sur la croix qui se trouve en haut à droite. Et vous retrouvez le champ de recherche tout en haut. Si j'efface dog, je peux rechercher maintenant un chat. Chat en anglais, c'est cat. Et j'appuie sur la touche entrée du clavier. Vos images sont apparues. Moi, je veux télécharger le chat qui est là. Donc le chien apparaît, vous avez en dessous ses déclinaisons. Moi je vais choisir celui en couleur avec les contours. Donc je clique dessus. Sur la droite, PNG, 512 pixels, c'est ce qui m'intéresse. Je vais cliquer sur le bouton PNG, Free Download. Le chat s'est téléchargé. Si vous souhaitez retrouver vos images, il suffit d'aller sur l'explorateur de fichiers, dans le dossier téléchargement. Je retrouve le chat et le chien. Je peux les déplacer dans images pour les retrouver facilement. Nous en avons terminé sur les téléchargements d'images pour agrémenter vos montages photos. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, prenez bien soin de vous et à bientôt.